La disparition de Bernard Tapie le 3 octobre dernier, on a entendu hein, votre témoignage dans la presse, ça a été, comme pour beaucoup de monde, tous les Marseillais, très, très difficile. C'est une page qui s'est tournée aussi. Oui, ça a été très dur. Parce qu'avec Bernard, on a passé 7 ans. 7 ans, on a passé 7 ans jour et nuit tous les deux. J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec ma famille. Et on a consacré, on n'était pas parfait, on a sans doute fait des erreurs, mais on a fait beaucoup de choses bien, je pense. Et que voilà, c'était à un moment donné, moi j'ai eu un père jusqu'à ce que je rentre, jusqu'en 86. Après j'ai toujours eu mon père, bien sûr, mais Bernard Tapie m'a formé après en 86. Parce que quand vous avez 29 ans, j'avais 29 ans quand j'ai rencontré Bernard Tapie, je peux vous assurer, quand vous avez 29 ans et que vous rencontrez Bernard Tapie, vous changez un homme. Hein. Et ça a été quelque chose qui vous êtes obligé d'être marqué par ça. Quoi. Mmh. Voilà, et donc, et nous, on a de suite, tous les deux, on a de suite été très proches. Il avait une confiance absolue en moi. Et c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, quoi. Beaucoup aimé, beaucoup respecté. Et voilà, et j'aurais fait n'importe quoi pour lui, quoi. Et pour l'OM, quoi, parce que voilà, c'était un homme qui nous a tous menés, qui était un leader, qui avait une personnalité, qui était un chef de troupe, quoi.